Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Capi dans le Jurassique. Donc on s'était quitté ici dans notre hutte et je sais plus trop ce qu'on avait prévu. Ça, on va le désactiver, voilà. Donc ça analyse. Je sais toujours pas ce que ça c'est. Ça on peut le voir, il n'y a pas de place. Ah oui, je sais ce qu'on avait dit. On a dit qu'on irait couper du bois. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Là, je vois que les fougères ont bien poussé. Et j'ai pas joué depuis presque une semaine, donc je sais plus trop où j'en étais. Mais c'est pas grave, moi ça va me faire des choses à vous raconter. Donc pour ceux qui suivent cette série ici, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en message privé s'ils pouvaient reproduire la série. J'aurais répondu que je voyais pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire, parce que j'ai aucun droit de vous l'empêcher, puisque c'est un mode qui n'est pas créé par moi. Seule chose que je peux vous empêcher, c'est de reprendre le même nom que moi de la série, mais bon, même encore ça, je m'en fous un peu. Seule chose que j'ai demandé aux personnes qui voulaient reproduire, c'est juste de faire un petit message en pensant à moi, enfin, un petit coup de pub, quoi. Quand je vais baisser cette musique. En fait, je viens de jouer à Call of pendant 1 heure, et pour sprinter, j'ai pris l'habitude d'appuyer sur A, et A, en fait, c'est ma touche pour jeter les objets. C'est pas trop grave. Oh, une pomme. Allez, sprint. Voilà. Et comme vous pouvez voir, la canne à sucre, elle pousse assez vite. Le cactus, il pousse aussi, c'est nickel. Bon, on a déjà pas mal de bois. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Si on voulait cultiver, il me fallait plus de fossiles. Mais je ne sais pas où est-ce que je vais en trouver. Et bon, première chose, je me refaire un double coffre. Ah oui, pour ceux qui ne savaient pas, le jeu Minecraft est sorti sur Xbox. Et là, j'entends une grotte près de moi. Et je l'ai testé avec mon frère en multi. Et franchement, je trouve ça pas mal. Pardon, je parlais un peu du nez parce que je suis toujours un peu enrhumé. Voilà, pardon. Et franchement, je trouve ça assez sympa. J'ai joué quoi pendant une vingtaine de minutes avec mes frères, on s'est bien marré. Mais on a seulement pris la version d'essai parce que la version payante, on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais je pense pas qu'on va payer pour pouvoir y jouer. Mais franchement, je trouvais ça vraiment pas mal. Ah oui, j'ai vraiment le nez bouché. Pas mal de fer. Ah oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer que je joue en peaceful, j'ai été même pas rendu compte. Des sticks. En fer, une épée en fer, une pelle en fer, un peu de métal qui est là, voilà. On se faire 6, déjà une pioche pour commencer, ce serait pas mal. Ça reste là, ça en remplace. J'ai toujours les garder
en secours, on va dire. J'aimerais bien faire une deuxième pioche. Il Voilà. Ça là. 1, 2, 3. Et voilà. Des torches, on en a encore un petit peu. Je vais en refaire 2, 3. Je sais pas si on en a en stock du charbon aussi. Voilà, une vingtaine de torches, je vais en prendre. Voilà, je vais prendre un petit peu avec moi. Ce que je vais peut-être faire, c'est utiliser la bonne mine, mais je suis pas trop sûr. Je vais regarder ce que ça analyse encore. Pour le moment, à part des trucs qui ne servent à rien, ça n'analyse pas grand-chose. Bon. Et ça a analysé que de la merde. Donc c'est pas grave, on va repartir à la recherche de fossiles. On va aller une fois de l'autre côté. Je me rappelle plus si j'avais. Ah si, il me semble que j'avais trouvé une caverne là-bas. Il me semble que je l'avais déjà éclairée. Oh, par contre, il y a des monstres partout, j'aime pas ça. On va rester plus loin parce que j'ai franchement, enfin je suis pas chaud, je viens de commencer à jouer là, donc j'ai pas envie de me fighter et d'aller me péter la gueule contre des monstres directement. On va faire le grand tour, si ça veut bien arrêter de bugger, voilà, merci. On va aller pas par là. Il me semble que c'était par là, mais je pense que si j'avais trouvé quelque chose, ben je crois que j'aurais mis des torches. Et je vois pas grand chose d'illuminé. Là-bas. Oh, j'ai été faire le grand tour pour rien. Oh, punaise. Oh. Oh là là. Je me casse les jambes en plus au passage. Que faut pas que j'oublie. De me nourrir assez souvent parce que en fait j'ai fait l'épisode le, enfin, le dernier épisode 100% peaceful sans m'en rendre compte et j'ai pas usé beaucoup de bouffe et franchement ça m'a pas sauté aux yeux directement donc je m'en excuse mais c'était pas voulu franchement c'est par où pas de monstre. J'aime pas ce bruit. C'est les Endermen. Non, je ne te regarde pas. Alors, oui, c'est là. J'ai déjà bien illuminé tout. Me faut des biofossiles, hein, les gars, il me faut rien d'autre. Pas mal en plus. Oh, ça continue. Non, 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 non plus. Crois que c'est fini. Par contre, je vais monter la luminosité à fond pour vous. S'il manquerait en plafond, non, ça va. On va sortir du trou. Attends, on est venu de par là. Donc, on continue. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris une pelle. Comme vous le savez, je déteste le gravier. Par contre, j'entends un zombie, mais je vois pas d'où il peut venir. Donc, ouais, peut-être en fait du plafond. Je sais pas, parce qu'on n'est pas très profond en fait. On a déjà 10 biofossiles, c'est pas mal. Encore là. Rien là. Ah oui, j'avais fait aussi une partie en solo, mais en mode créatif, et j'avais fait sur une map plate en fait des gros enclos avec les dinosaures les plus dangereux en fait.
pour vous montrer la taille maximale qu'il pouvait atteindre. Mais malheureusement, après un petit moment, le tyrannosaure est devenu tellement grand qu'il a pété tout l'enclos, en fait. Et il m'a tué après, je ne retrouvais plus l'enclos. Donc j'aurais jamais su vous le montrer, à moins que je cherche comme un con pendant une demi-heure. Bien, casse-toi les jambes, tant que tu y es, toi. Voilà, un peu de fer. Filon, c'est pas mal. Je pense que je vais réitérer, mais je vais prévoir plus grand et voir enfin prendre un peu plus de temps parce qu'en fait j'ai tapé le dinosaure dans l'enclos avec de la bouffe et je suis parti à l'école. Et quand je suis revenu de l'école, ben, je dirais que ça avait été presque plus grand que la cage. Enfin, en fait, le T-Rex c'est le seul qu'on peut pas vra... enfin, qu'on peut vraiment pas apprivoiser en fait. Et le vélociraptor non plus, je pense. Mais il grandit, mais c'est un truc de dingue. Et apparemment, le T-Rex, si ce que j'ai lu est vrai, il peut casser tous les blocs qu'il veut, qui sont enfin, plus bas niveau résistance que les blocs de fer, en fait. Donc si vous voulez apprivoiser, enfin, garder en enclos un T-Rex, eh ben, il faut faire les murs de l'enclos en blocs de fer. Donc, si j'ai un T-Rex, à mon avis, je m'autorisais à cheater. Parce que je me vois mal faire un enclos complet en blocs de fer. Vu la taille de l'enclos qu'il faut pour contenir une bête pareille, ben, ça va pas être possible. Plus rien, j'ai l'impression. Peut-être par là. Oh non, c'est de là que je viens. Oh là là. Que je veux aller, c'est par là. Et je crois que je viens d'aller par là en fait, mais c'est pas grave. Eh oui, je viens d'aller par là. Donc la grotte est déjà finie. J'ai 17 biofossiles. Pour bien faire, il m'en faudrait une trentaine, je pense, pour faire le test ADN. J'espère qu'il va réussir du premier coup. Parce qu'à mon avis, on va faire qu'il va faire clair. Bah, si j'ai trouvé assez de biofossiles, bon, on va lancer l'analyse. Et on va créer notre premier enclos. Alors en fonction, là c'est un stégosaure, je pense que j'ai. En général, ils sont pas, enfin, ils sont quand même assez grands, mais c'est des herbivores, donc ils sont pas très méchants. Mais par contre, je sais pas avec quoi on va les nourrir si c'est un herbivore, parce que je ne sais pas faire des pommes marron en fait. Par où on va aller? Je vais me faire un petit menhir parce que si je vais un peu plus loin, je saurais jamais retrouver la maison. Ouais, c'est par là. On va foutre une torche ici, voilà. Ça, on le voit d'assez loin, je pense. On va aller par là. L'épée à la main. Par où? Ah, oh, des citrouilles. Toujours aller les prendre, ça sert toujours, même si je vois pas trop l'utilité pour le moment, mais bon, si jamais on en a besoin, on en aura. Au pire, on peut même les replanter près de chez nous, c'est pas grave. Est-ce qu'on va peut-être devoir faire un jour, c'est à mon avis que j'aurais fait mon premier enclos, ben, je vais essayer de me construire une maison quand même. Parce que vivre dans une grotte, c'est pas mal un petit moment, mais bon, à un moment, c'est assez limite. Enfin, quoique non, je vois pas pourquoi. Enfin, si. Si, il faudra que je fasse une maison, c'est tout. Ah, de la viande de zombie. J'aime bien me balader dans le monde, parce que souvent, quand c'est la matinée, bon, on trouve des trucs un peu partout, par terre. Comme des poulets. Qui tapent des... Pardon, j'ai le hoquet. Des œufs partout. Qui servent pas à grand chose, mais c'est pas trop grave. Oh oui, j'ai attrapé le hoquet. Oh non. Bon, ça a l'air d'être passé. Mais je vois pas de grotte à l'horizon, ça m'embête. Parce que le truc, c'est qu'avec 17 fossiles, je pense qu'il y a moyen que ça réussisse, mais j'ai pas envie de tomber à court. Parce que faut. Enfin, si ça tombe à court, comme je vous l'ai déjà dit, ben, l'expérience elle recommence à zéro en fait.
Donc c'est 17 trucs dépensés pour rien, parce que on peut pas faire comme quand on chauffe quelque chose, on peut pas l'arrêter en cours en fait. On est obligé de le laisser terminer parce que sinon bah, ça redémarre à zéro à chaque fois. Aïe. Oh, y a rien du tout. Rien sur les falaises en plus. Non, je suis déjà allé par là. S'il n'y a rien. Pas à l'air en tout cas. Oh, un désert. Ça, c'est pas mal. Franchement, la map, je suis assez content parce que ben, il y a un désert, des falaises. Bon, il y aurait un peu plus de grottes, ce serait pas mal, mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pu trouver une map avec autant de biomes l'un à côté de l'autre. Parce qu'il me semble qu'avec les nouvelles mises à jour, ben, les biomes sont tellement grands que pour en trouver un, ben, on se perd assez vite quand on n'est pas assez équipé et donc on trouve jamais notre maison. Voilà, petit freeze de frappes. Donc à mon avis je vais faire plusieurs épisodes d'un coup parce que j'ai envie de jouer, je les couperai au fur et à mesure. Mais je risque pas de refaire le début de chaque épisode. Enfin quoique si, quand la nuit va tomber je vais arrêter et je vais redémarrer directement l'autre. Comme ça ce sera bon. Bon, je crois que j'ai fait le tour d'un peu tôt, je vais aller voir par là. Là-bas, il y a notre crevasse. Et il me semble que par là, on avait. C'est quoi ces trucs jaunes? C'est des torches? Ouais, c'est des torches. Donc si j'ai mis des torches, c'est qu'il en doit en avoir par là. Pour ceux qui se tapent tous les épisodes à la suite, ça doit pas être très évident parce que il y a souvent pas mal de temps. Oh là là, il y a pas mal de. C'est pas mal si. Il y a toujours souvent pas mal de temps entre les épisodes. En général, ouais, il y a des trucs là. En général, je les tourne à la suite. Mais ça arrive que bah, quand c'est le vendredi ou le week-end ou quoi, bah, quand je suis chez moi, bah, en général, bah, je passe pas mon temps à jouer. Justement, je profite un peu de voir la famille, pour aller voir ma copine et tout ça. Donc le week-end, en général, à part faire quelques vidéos sur Dofus, parce qu'il faut quand même montrer un peu de contenu, même si je fais pas mal de Minecraft maintenant. Mais quand même, à la base, ma chaîne, bah, c'est du Minecraft. Oh, un donjon! Excellent! Oh, génial! Ça fait longtemps que j'avais pu trouver un donjon. Neutraliser. Merde. Voilà. Et peut-être plus tard, ben, je vous montrerai pour ceux qui savent pas comment on fait pour optimiser en fait un donjon. Merde. Voilà. On va sécuriser tout ça. Et je me prendrai peut-être bien un moment la mousstone pour me faire le sol de ma maison. Parce que je trouve que c'est une. La texture est assez sympa. On n'en voit pas souvent en plus. Et oh, je suis un peu plein, mais il y a pas mal de ressources. Alors, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Ça, je sais pas si on en a vraiment. Non, ça on s'en fout. Donc on va prendre ça. Enfin, quoique non, on s'en fout. Ça, il y a toujours besoin. Cacao beans. Je sais pas ce que je peux faire avec ça. Ça, je prends, ça, je prends. La selle. Je sais pas. Bon, bah, de toute façon, ça reste ici. Hein. Ça risque pas de s'envoler. Si on en a besoin un jour, on saura que c'est ici. Voilà. Ça. Voilà une entrée de donjon digne de voilà. En plus, il y a pas mal de ressources là au-dessus. Il me semble que j'ai passé des fossiles. Voilà ici. Biofossiles.
fossiles, ça c'est bien. Pas billets fossiles, ça c'est pas bien. Billets fossiles. Non. Non. Relic scrap, ça c'est un chier. Encore un petit peu là. Toujours pas. Il y a un plafond, tant pis. Là, il y a quelque chose. Ils sont pas généreux avec moi. Ah! Suffit que je dise ça pour qu'il y en ait qui sortent. Non, 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 non. Yes, encore un. On a encore un là, encore en dessous. 21. Ça commence à devenir assez conséquent. Je crois qu'on va bientôt pouvoir lancer une analyse, je pense. Ici. À un moment donné, je vais finir cette galerie ici et puis on retournera, on va lancer l'analyse et on va créer l'enclos. Mais par contre, je sais pas comment je vais le nourrir. Va falloir que. Ah bah si, peut-être avec du blé. Va falloir. Mais je pense pas qu'au début il va bouffer beaucoup. Enfin perso dans les parties solo je l'ai mis, bah à chaque fois la bouffe est restée à fond alors que j'avais pas mis grand chose. J'espère qu'ils seront pas trop gourmands. Y a rien du tout. Y a vraiment rien du tout en fait. C'était juste une grotte de merde avec du. Ah, il y a une entrée de l'autre côté, je pense. Avec du. Enfin, avec un donjon. C'est déjà pas mal, hein, je m'en plains pas, mais bon. On sait qu'il y aura peut-être un peu plus de ressources. Donc, on se refait un escalier de fortune pour remonter. Faudra la pioche. Là. Donc je voulais aussi vous demander pour faire participer un petit peu et que je lise des commentaires quand je suis en cours, comme ça me passe le temps. Est-ce que vous avez vu le film Projet X? Parce que moi en fait j'aimerais bien le voir, mais j'ai jamais le temps d'aller au cinéma pour le moment. Et à mon avis, je crois que je vais m'y prendre trop tard et il sera plus au cinéma quand je décide d'aller le voir. Donc, je voulais savoir vos avis pour voir si ça valait vraiment le coup que j'allais le voir. Si vous l'avez vu, parce que enfin, tous les gens que je connais qui ont été le voir m'ont dit que c'était vraiment énorme comme film. Et enfin, de ce que j'ai pu voir et entendre, rien que niveau musique, ben, c'est assez extraordinaire ce truc. Enfin, ça a l'air extraordinaire parce que j'ai téléchargé la BO, donc la bande originale, enfin, toutes les musiques du film. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter. Hein, ça passe par du Steve Aoki, du Dr. Dre, du Eminem, des trucs comme ça. Enfin, franchement, ça va l'air pas mal. J'ai pas écouté tous les morceaux, hein. J'ai écouté ceux que je connaissais déjà un petit peu. Oh, c'est déjà la nuit. Combien on a dit? 21, mais je sais pas, j'hésite. Il me faudra encore 5, 6. J'arrive au moins à 25. Ça se trouve, il va m'en falloir moins, mais je préfère être sûr que ça fonctionne que plutôt de faire une connerie. Ça m'énerve. Voilà, on a trouvé une grotte. On en a trouvé 4 dans toute la grotte. Super. Alors que ça se trouve, là, ici en dessous de nous, il y en a plein, 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 mais. N'en vois pas. Là au-dessus, c'est là qu'on vient. Ouais. Il y a le train qui passe comme à chaque fois que je tourne une vidéo à l'internat. C'est pas grave, on commence à être habitué. Je pense dans la crevasse, ben, je crois qu'on avait tout vidé. Il me semble. Enfin, niveau fossile, en tout cas, il me semble qu'on avait tout vidé. Si je me trompe, ben, postez-le dans les commentaires, je retournerai voir. La mine. Je pense qu'on l'avait visité. Je suis pas très sûr, mais j'ai pas envie de me taper la mine maintenant. Parce que si c'est une mine comme. Ah si! Ah, quoique, non. Je me rappelle d'avoir visité la mine, mais je sais plus si c'était avec vous ou sans vous. Parce que oui, comme je vous avais dit, le site, ben, j'avais testé les sites vite fait pour.
pour voir comment la map était, et j'avais fait un petit tour, bref, et j'avais vu la crevasse. Et il me semble qu'on l'avait des... Aïe! Voilà, ce que j'avais pas envie. Juste... Oh! Regardez! Un squelette qui chevauche l'araignée, excellent. Oh là 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 là, on se fait sniper. Non, je veux pas mourir. T'es où? Sale enfoiré! Putain, ils sont encore plus chiants que Paolo sur Call. Ils te spotent à des distances de malade maintenant, mais. Pourquoi il veut pas ramasser? Il n'y a plus de place. Bon, ben, je crois qu'on va aller se réfugier à la maison. Je supporte pas quand il y a autant de monstres autour de moi. Oula. Ma souris qui a eu un petit bug. Je sais pas ce qu'elle a foutu. Voilà. Et on va dormir. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour un prochain épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 que je vais tourner tout de suite. Salut à tous.